c'est agir, vaincre. Florent Duguay-Pasquier, co-secrétaire national de France Nature Environnement. Mireille Bourdon, présidente d'une association locale, membre de France Nature Environnement située sur la presqu'île guérandaise, qui est l'association Vert Pays Blanc et Noir. On a Michel Lebrumel, président de FNE, qui fera le mot de clôture de cette conférence. Elle va prendre de la hauteur sur différents sujets portés par FNE. Quand j'ai sujet, c'est plutôt des combats. Et puis Yvan Fouquet de l'atelier citoyen qui aussi intervient sur cette table ronde. Et puis on a une cinquième personne qui va nous rejoindre en cours de route et qui est en train de garer sa voiture il y a encore 3 ou 4 minutes, mais qui va donc arriver. Il s'agit de Liliane Plot de Terre de Liens, Pays de la Loire. Voilà. Pour lancer cette petite table ronde, on avait à la technique, on avait un petit film pour lancer le sujet. Voilà, c'était un petit film d'introduction pour lancer l'après-midi. Je vais donner la parole à Florence Denis-Pasquier qui va lancer la première intervention. Je ne suis pas sur la bonne slide. Bonjour à tous. Donc, Florence Denis-Pasquier du mouvement de la Fédération France Nature Environnement. On a proposer cette conférence pour illustrer le combat associatif pour la protection des sols qui va du plus local au niveau européen et comment les associations de protection de l'environnement sur le plan européen essayent de relancer une protection européenne des sols au même titre que l'eau et l'air. Donc, People for Soil. Donc on a une coalition d'ONG européennes pour porter cette pétition. Et là, le but, c'est de vous sensibiliser à déjà à la protection des sols et aux moyens pour faire avancer la législation pour la protection des sols. Car sans cette législation, l'enjeu sol risque de ne pas être pris en compte à la bonne hauteur dans les différents pays européens. Donc, pourquoi cette mobilisation ? Parce que le constat différentes origines, c'est que nos sols sont dégradés, or notre vie dépend des sols. Les sols sont bien plus qu'une simple surface inerte, et c'est comme ça qu'on les traite trop souvent. 95% de notre alimentation dépend des sols, ils ont un rôle absolument essentiel en
en matière de stockage et de filtrage de l'eau, comme ici, en tête de bassin versant sur Notre-Dame-des-Landes. C'est un rôle de régulation du cycle de l'eau. 70% des antibiotiques viennent des sols. La biodiversité des sols a un rôle éminemment important dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors, on pense aux vers de terre, hein, qui sont les véritables ingénieurs des sols, mais il y a 25% de la biodiversité mondiale qui est dans les sols et qui aide les sols à fonctionner et à permettre la dégradation des déchets et l'assimilation par les plantes. Donc il y a un énorme rôle des sols vivants sur le fonctionnement des écosystèmes. Et un point important, et ce sur quoi nous nous battons, c'est les sols sont un énorme puits de carbone. Au niveau mondial, 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est lié au changement d'affectation des sols. Alors, on pense toujours à la déforestation en Amazonie et ailleurs, mais nous avons aussi un rôle éminemment fort sur ces enjeux-là à travers nos modes de consommation et aussi ici par des pratiques d'agriculture intensive qui dégradent les sols et qui sont producteurs de gaz à effet de serre. Donc le constat en France, les sols ne sont pas protégés pour eux-mêmes, en France et en Europe. Nous avons des directives cadres sur l'air, sur l'eau, qui vont permettre d'obliger à un moment les États à agir, ce qui a déjà commencé. On n'a aucun instrument transversal sur les sols. Il y a eu une tentative de directive sur les sols au milieu des années 2000, et ça a échoué, ça a été sorti de l'agenda européen à cause d'États qui ont mis les freins, parmi lesquels, hélas, la France a été un frein au niveau européen pour avoir une législation cadre sur les sols. Donc, le rôle des sols, c'est vraiment insister sur plus qu'une simple surface, c'est que la richesse et la qualité de ce qu'il y a dans les sols permettra ce qui vit dessus. Et c'est le rôle de cette initiative citoyenne des différentes ONG de vraiment mettre l'accent en disant regardons ce qu'il y a à l'intérieur des sols, le stockage de la matière organique, c'est vraiment le moteur du fonctionnement des sols et la régulation des cycles du vivant, de l'azote, de l'eau, etc., ça passe par les sols. Et si on ne s'occupe pas des sols, si on ne s'occupe que des dimensions eau, air, en négligeant les sols, on risque d'avoir des gros dérapages. Le constat, c'est le gros risque de l'urbanisation qui fait disparaître en France 27 mètres carrés de sol chaque seconde, soit 321 terrains de foot par jour. C'est un grignotage des meilleures terres, irréversible. Pourquoi les meilleures terres? Parce que historiquement, nos villes se sont installées là où il y avait les sols les plus fertiles. Donc l'extension en tâches urbaines des sols va grignoter les terres les plus fertiles. Donc depuis les années 50, l'artificialisation des sols qui augmente 4 fois plus vite que la population, vraiment là, c'est le phénomène irréversible. On ne voit jamais ou quasiment jamais un sol artificialiser, revenir à la nature ou au sol agricole, c'est vraiment, c'est toujours dans le même sens. Il y a aussi un phénomène fort, 18% du territoire est soumis à l'érosion. Alors nos collègues associatifs italiens ont une proportion bien plus forte chez eux, mais quand même 18%, et ces phénomènes sont liés à des pratiques agricoles de labour intensif, etc. Et quand on voit des eaux dans les rivières marrons qui arrivent à la mer dans les périodes de fort orage, c'est des pertes de sol irréversibles. Donc cette dégradation des sols par érosion est majeure aussi à prendre en compte et on n'a aucun instrument, sauf quelques endroits en montagne, pour le prendre en compte. Donc, et les autres problématiques, c'est les sites pollués ou potentiellement pollués. On en a identifié à peu près 400 000 en France. Nous, FNE, qui sommes un mouvement fédéral avec partout les associations sur tous les territoires, c'est régulièrement que des sites pollués émergent à la connaissance du public. Donc il y a beaucoup de problèmes d'histoire, de mémoire des sites. Alors,
ces enjeux-là, dans notre appel du sol, nous avons créé pour le site français une petite BD en ligne que vous pouvez trouver soit sur votre, oula, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, hein, l'appel du sol, vous aurez le lien tout à l'heure, pour vraiment identifier les rôles clés du sol et les agressions clés, hein, telles que je vous en ai parlé, donc le rôle clé dans l'alimentation, notamment la question des terroirs agricoles, le rôle d'éponge et de régulateur du cycle de l'eau, absolument essentiel, hein, qui stocke et qui donne une bonne qualité de l'eau, et les problèmes de tassement des sols, notamment par des engins agricoles beaucoup trop puissants par rapport à la capacité des sols, c'est aussi le cas d'ailleurs dans les sols forestiers, les problèmes d'érosion, les problèmes d'artificialisation, on m'étouffe, ou la contamination. Donc le tout, ce que FNE a voulu mettre dans la campagne, c'est ces problématiques qui s'illustrent par des combats locaux qu'on va vous décrire après mon intervention générale. C'est quand même le sol qui est vraiment un enjeu clé, un bien commun à protéger. Alors on commence à être entendu, hein, on porte ce plaidoyer depuis plusieurs années. FNE, depuis plus de 5 ans, porte l'objectif de zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on urbanise un espace, on doit pouvoir désurbaniser un autre espace, du fait de ces différents enjeux. Mais le combat sur les sols, il a plusieurs leviers. Comme il y a plusieurs sources d'agression, il y a plusieurs leviers. Il y a d'abord un changement de pratique agricole fort à mettre en œuvre, hein, autour de pratiques plus agroécologiques et de respect de la vie du sol. Ça rejoint le combat sur les pesticides qui ont tendance à tuer la vie du sol. Il y a beaucoup à modifier la façon dont on développe les villes, donc avec pouvoir instaurer, ce qui n'est pas le cas, hein, aujourd'hui, cet objectif de zéro artificialisation nette, vraiment préserver les sols agricoles et naturels comme un bien commun, intégrer par exemple la composante qualité des sols dans les documents d'urbanisme, des sols de plus ou moins bonne qualité, plus ou moins aptes à remplir telle ou telle fonction, et donc avoir cet aspect qualitatif dans les documents d'urbanisme, et là évidemment rénover les infrastructures de transport plutôt qu'en construire des nouvelles. Cela vaut pour les aéroports comme pour les autoroutes. Et ça, c'est un combat qui se retrouve dans des dizaines de dossiers nationaux. Il y a évidemment aussi toute la réhabilitation des sites pollués et l'utilisation des friches industrielles et commerciales. On commence à identifier ces friches où, finalement, on crée des nouveaux centres commerciaux, mais on en laisse certains en déshérence. Intégrer la qualité des sols dans le processus de décision, ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que la composante sol, qualité des sols, doit faire partie intégrante des études d'impact, des autorisations environnementales, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, de façon très, très, très légère. Et enfin, il faut vraiment se battre pour que ce soit porté, c'est vraiment donner au sol un rôle dans la lutte contre le changement climatique. Et dans cet objectif-là, c'est évidemment protéger les zones humides. On retrouve évidemment le combat Notre-Dame-des-Landes. C'est un enjeu essentiel. On en a perdu 50% depuis 50 ans. On ne peut plus se permettre, dans un contexte de réchauffement climatique, de perdre des zones humides supplémentaires. Et augmenter le stockage du carbone dans les sols, puisque c'est là l'enjeu majeur. Alors comment ces propositions, comment on les porte au plan européen ? Comme je vous dis, on est sur une initiative citoyenne européenne, on est 500 organisations en Europe, avec comme leader de cette organisation nos collègues italiens de Lega Ambiente, avec les associations allemandes, l'ensemble des pays européens, des associations de protection de l'environnement qui sont représentées. Et l'initiative, c'est de demander à la Commission européenne de développer une législation obligatoire pour protéger les sols, de remettre en place la directive cadre avec des objectifs ambitieux abandonnés en 2005. Donc en France, FNE coordonne plus de 60 organisations, dont au niveau national, notamment en Terre-de-Liens, par exemple. On a fait là, ce week-end, on est sur 4 événements simultanés sur toute la France pour sensibiliser sur la protection des sols.
au niveau des territoires. Et quels sont nos objectifs? Nos objectifs, c'est que dans l'ICE, on recueille plus d'un million de signatures issues d'au moins 7 États membres sur les 28. Et cette initiative citoyenne européenne, elle s'arrête le 11 septembre 2017. Donc on a encore les 2 mois d'été pour pouvoir atteindre nos objectifs et porter le plaidoyer sol au niveau européen, mais aussi en profiter, et on ne manque pas de le faire, de le porter au niveau national en même temps. Donc, comme je vous disais, on a développé une petite BD en ligne très pédagogique, très sympa, avec une petite motte de terre sur, pour rendre au public français une sensibilisation à l'intérêt de protéger les sols. Donc, c'est l'appel du sol. La suivante. Alors, ça, je vous c'est l'ouverture de la page internet, c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche, hein, parce qu'il y a à la fois la petite BD. La façon de signer, avec quelque chose qui est très important, c'est que, comme on doit comptabiliser les citoyens européens de chaque pays, on doit mettre son numéro de carte d'identité ou de passeport pour qu'il n'y ait pas de double compte, avec des garanties, parce que c'est une procédure officielle européenne, des garanties que ces informations seront détruites par la Commission européenne une fois que la pétition sera terminée. Mais c'est vrai que c'est une procédure. Vous avez peut-être signé une autre ICE qui était en parallèle, qui s'appelait Stop Glyphosate. Moi, je pense que beaucoup ici ont signé cette ICE, qui est encore signable d'ailleurs. C'est une procédure qui est nécessaire pour que la Commission européenne décompte des citoyens européens issus de 7 pays avec un certain ratio, quota par pays supplémentaire. Donc, cette petite BD explique. Qu'est-ce qu'une ICE, les règles de l'ICE, la confidentialité des données. Et puis on a souhaité, toujours dans ce rôle pédagogique, avoir des articles de fond sur les sols, créés avec des scientifiques, des spécialistes de la biodiversité du sol, pour vraiment améliorer nos savoirs sur les sols, qui est vraiment un domaine inconnu. Donc voilà, une petite présentation de l'ICE, et nous allons illustrer après les combats sur les sols. Et tout le week-end, vous pouvez signer, alors si vous avez la connexion en ligne sur le site l'appel du sol, mais il est aussi avec le formulaire officiel signable sur le stand de FNE qui est un peu plus loin par ici, et les formulaires seront redonnés à la Commission européenne. Donc signez, parlez autour de vous, faites signer l'appel du sol. Et je laisse la parole à Tertelien pour illustrer le combat. Sur la protection des sols agricoles. Merci beaucoup, Florence, pour cette intervention. On a le plaisir de voir intervenir la représentante de Terre de Liens Pays de la Loire qui va se présenter pendant que je lance une petite vidéo où, au premier essai, tout à l'heure, on avait un petit souci technique de son, mais je laisse Liliane meubler si ça ne se lance pas comme il le faut. Voilà. D'accord. Bonjour, je suis Liliane Pio et je suis coprésidente de Terre de Liens Pays de la Loire. J'étais coprésidente de Terre de Liens Pays de la Loire jusqu'à cette année avec Bernard Jochot. Et cette année, il a cédé la place à Jacques Wadineau. Tous les deux sont des fermiers ou ex-fermiers. Et c'est important pour la vie de Terre de Liens dans cette région. Voilà. Moi-même, je ne suis pas paysanne, donc d'où l'importance d'être de coprésider avec quelqu'un qui est effectivement dans le métier au quotidien. Alors, c'est dommage, on nous a un peu coupé le sifflet, mais voilà, je vous montre comment Terre de Liens, achète des fermes en mobilisant un certain nombre justement d'épargne citoyenne, et ça au niveau national. Et chaque ferme achetée, donc 107 fermes actuellement, 147 fermiers, et chaque fermier, pour chaque ferme, il y a un bail rural environnemental qui est signé. Ça, je dirais, c'est très, très rapidement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le son, mais très rapidement, c'est la présentation de l'action de Terre de Liens au niveau national. Terre de Liens au niveau national est un outil qui existe depuis
plus de 10 ans maintenant, et qui se décline, je dirais, en 19 associations territoriales, dont Terre de Liens Pays de la Loire, et qui... alors, c'est peut-être lancé un peu trop vite, hein, merci. qui agit donc sur le territoire, Terre de Liens Pays de la Loire agit sur le territoire, évidemment, de la région, pour acheter des fermes, et surtout pour accompagner tout candidat à l'installation dans sa recherche de foncier. Voilà. Donc, c'est mobiliser aussi, effectivement, des citoyens et des citoyennes pour faire pousser des fermes et les faire pousser dans l'agriculture biologique, tant qu'à faire. Alors, est-ce que c'est une mission impossible de s'installer en agriculture biologique de nos jours ? Des constats, il y a déjà eu des constats qui ont été faits sur la disparition des terres agricoles au rythme, à un rythme accéléré, un rythme de consommation des terres agricoles qui s'était ralenti, mais qui est en train de reprendre de plus belle et avec une certaine intensité. C'est quand même 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. C'est donc 1300 hectares qui sont un département tous les 8 ans qui sont urbanisés. Le coût moyen de la terre augmente, plus de 40% en 10 ans. Mais le constat aussi, c'est que 50% des produits biologiques consommés en France sont importés. Et par ailleurs, ce que l'on constate aussi en France, c'est que les milieux naturels sont de plus en plus pollués et que l'agriculture à taille humaine laisse la place, malheureusement, à des projets industriels de plus en plus surdimensionnés. De ce constat, est-ce qu'on ne peut rien faire ? Est-ce qu'on peut agir ? Si on continue le constat, on s'aperçoit qu'effectivement, là, les chiffres sont un peu petits, mais je vais vous dire qu'entre 1950 et 2015, les terres agricoles représentaient 72% du territoire français. En 2015, c'est 54%. Le coût de la terre en 1950, c'était 170 euros hectare. Aujourd'hui, c'est plus de 6000 euros hectare en moyenne. Le nombre de paysans a fortement diminué, comme vous voyez avec le graphique. Par ailleurs, les fermes, il n'y en a plus que 515 000 en 2010, alors que 515 000 en 2010. Le nombre de en millions de fermes en 1955. Il y en avait 2,3 millions, donc 515 000 en 2010. Le nombre d'agriculteurs en 1960 était 4 millions et en 2015 900 000. Donc voilà, on voit un peu ce à quoi les constats sur l'état de l'agriculture sur le territoire français. Par ailleurs, en 1955, 44% des exploitations couvraient entre 5 et 20 hectares. En 2000, c'est 20% des exploitations qui sont entre 5 et 20 hectares. Là aussi, on voit les effets de concentration. Effets de concentration qui se confirment lorsque, en 1955, 1% des exploitations faisaient plus de 100 hectares. Aujourd'hui, c'est plus de 10% des exploitations qui font plus de 100 hectares. Voilà. Sur ce constat, on peut remettre en cause un certain nombre de choses, telles que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les effets d'agrandissement des fermes, les effets d'urbanisation, les effets de non-application, je dirais, des textes qui ont été rédigés et actés, votés. Et par exemple, dans le plan d'urbanisme, on souhaiterait que, effectivement, les techniciens soient beaucoup plus vigilants sur la protection des terres agricoles et notamment sur le devenir de ces terres, sur leur protection, pas seulement en termes de surface, mais aussi en termes de pollution. La consommation, certains pays ont déjà réagi par rapport à cette consommation liée à l'urbanisation et aux grandes infrastructures. Par exemple, la Belgique a mis en place un système, depuis un certain temps, a mis en place un système de compensation des terres qui sont urbanisées d'une manière ou d'une autre.
Et on n'est pas encore complètement sur ce changement en France. Et on voit notamment, malgré la mise en place de ces épénages qui sont les commissions, les commissions départementales pour la protection des espaces naturels et forestiers, on voit que ces commissions, bien que consultatives, sont consultatives seulement, n'ont pas un pouvoir décisionnaire. Et c'est une avancée, mais c'est une toute petite avancée qui est en général très peu suivie. Et là, à travers ces épénages, puisque ce sont les préfets qui décident, eh bien, les cartes pour la protection des terres agricoles sont vraiment dans les mains des préfets. Donc on attend de voir ce que ça va donner sur le long terme, mais on espère que ça va donner vite. Voilà. Alors, People for Soil, maintenant, et Terre du Bien. Pourquoi Terre du Bien s'associe à cette campagne de People for Soil? Parce que d'abord, on a des objectifs communs. Cet objectif, si on peut le résumer, c'est protéger les sols pour un meilleur usage agricole et pour préserver la ressource. Alors, deux types d'actions à travers ce qu'on peut faire en commun, c'est d'une part orienter les politiques publiques en France, mais aussi au niveau européen. Et effectivement, l'initiative citoyenne qui a été qui est prise à travers People for Soil est effectivement un des actes importants qui est à mener, parce que j'ai eu récemment dans les mains un rapport qui a été fait par des parlementaires au niveau européen qui sont, extrêmement lucides sur les constats de ce qui se passe sur la consommation, sur la fragilisation des terres agricoles en Europe. Ce rapport parlementaire, on espère qu'il puisse aboutir. Cela dit, dans une conférence tout à fait récente à Bruxelles, il a été un peu balayé de la main par certains membres de la commission, techniciens de la commission. Donc il faut vraiment aussi soutenir, je dirais, les représentants élus qui soutiennent ces actions-là. Et c'est important qu'un certain nombre d'initiatives comme celle de People for Soil se prennent pour pouvoir effectivement leur donner aussi des arguments pour faire aboutir leurs propositions. L'autre, bon, bien sûr, sur les politiques publiques, c'est les actions à travers les actions des citoyens que nous mobilisons à travers Terre de Lien, dans le cadre des déclarations de politique publique, dans le cadre de l'élaboration des plans d'urbanisme. C'est autant de moyens pour créer la résistance de l'agriculture paysanne sur le territoire. Et puis, par ailleurs, c'est une autre action, c'est préserver la fertilité des sols et la biodiversité qui leur est liée. Et ça, il y a un certain nombre d'actions sur le terrain par rapport aux fermes, par rapport aux baux qui sont passés, par rapport au travail qui peut être fait sur les zones de captage, au travail qui peut être fait aussi sur les espaces naturels sensibles. Voilà. Donc, l'agriculture à taille humaine, est-ce qu'elle est condamnée? Ben non, elle n'est pas condamnée, si on s'y met tous. Et le moyen de Terre de Lien pour s'y mettre, et c'est d'associer, je dirais, les citoyens à favoriser l'installation par l'accès au foncier. C'est tout un accompagnement qu'il faut mettre en place. C'est protéger les terres agricoles de la spéculation, c'est développer l'agriculture biologique, faire émerger des projets agricoles respectueux de l'homme, et ce n'est pas toujours facile, de l'homme et de l'environnement. Et c'est aussi renforcer le tissu social rural, mais aussi le tissu, les solidarités entre le rural et l'urbain. C'est important que cette mobilisation citoyenne, elle se fasse sur l'ensemble du territoire pour renforcer effectivement la capacité à œuvrer, je dirais, sur la protection des fermes et des fermes paysannes. Alors, Terre de Lien n'agit pas tout seul. Nous travaillons en réseau et nous travaillons avec d'autres associations qui sont aussi bien la coopérative d'installation en agriculture paysanne, qui est un réel prolongement de l'action de Terre de Lien puisqu'elle permet à des candidats à l'installation qui ne sont pas forcément jeunes, à des candidats à l'installation qui veulent s'installer en agriculture biologique, ne sont pas issus du milieu agricole, de pouvoir effectivement bénéficier de conditions similaires à ceux qui sont issus du milieu agricole. Voilà, donc c'est un accompagnement à la fois en termes de formation, de connaissance des réseaux,
mais aussi parfois en termes de, d'aide à des premiers investissements. Nous travaillons aussi bien entendu avec la UPO et on a eu une action notamment pas très loin d'ici en Vendée sur la ferme du Prétor et là il y a eu une réelle collaboration pour l'achat de cette ferme sur le marais breton. Nous travaillons avec les Ardéas qui sont des partenaires naturels, avec les groupements d'agriculture biologique et bien d'autres encore. Voilà, on pourrait citer Solidarité Paysan, voilà, Accueil à la ferme, etc. Donc là, tout ce réseau-là, qui est un réseau de l'agriculture paysanne, qui est extrêmement important pour nous. Alors, préserver les terres sur le long terme, nous avons à Terre de Liens pour ce faire plusieurs moyens d'action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement des porteurs de projets pour leur accès au foncier, du début de la chaîne jusqu'à la fin, c'est-à-dire premier candidat à l'installation qui arrive, qui n'est pas issu du territoire sur lequel il veut s'installer, eh bien, vient nous voir et là, on l'oriente vers ou par les différentes démarches administratives qu'il doit faire pour pouvoir s'installer, que tout candidat à l'installation de l'agriculture doit faire. On doit aussi l'orienter et faciliter, je dirais, la mise en contact avec les personnes qui vont céder leur ferme et voir comment ils peuvent s'installer éventuellement sur ces fermes. Et puis, c'est l'aide à l'acquisition, puisque parfois, l'aide à l'acquisition, ça peut se faire, soit ça se fait dans le cadre de Terre de Liens, et c'est Terre de Liens qui achète en collectant des parts aux citoyennes, soit c'est d'autres moyens qui sont utilisés, et nous accompagnons aussi de plus en plus à travers des GFA et des SCI, la constitution de GFA et des SCI, des initiatives d'achat de fermes. Évidemment, Terre de Liens et ces initiatives-là sont des initiatives qui sont des initiatives qui visent à faire en sorte que le foncier soit préservé sur le long terme, que les fermes ne soient pas revendues, et que nous puissions garantir aux fermiers qui s'installent une forme de tranquillité qui est à la fois une tranquillité financière et aussi une tranquillité sur le long terme par rapport à son propriétaire qui est un propriétaire collectif. L'intérêt de développer les GFA et les SCI, c'est aussi d'impliquer fortement les personnes qui contribuent, qui apportent leur épargne pour acheter les terres, à la vie des fermes, et à leur préservation sur le long terme, avec une application qui est plus forte que simplement de donner son épargne, enfin de remettre son épargne pour qu'on puisse acheter des fermes. C'est aussi, deuxième point, c'est aussi suivre les fermes. Les fermes, quand on les achète, elles ont un bâti qui est important souvent, qui n'est pas forcément bien adapté. Il faut aider à faire des diagnostics pour que les bâtiments soient adaptés à l'usage que le fermier veut en faire. C'est aussi aider les fermiers par des diagnostics à gérer et à faire, à être conforme au paysage environnemental. Et puis, c'est aussi les aider effectivement à tenir tous les aspects environnementaux lorsqu'il y a une éclatage ou lorsqu'il y a un espace naturel sensible, plus d'autres moyens par ailleurs. C'est aussi sensibiliser, troisième action, c'est sensibiliser le grand public à l'accès à la terre et à la préservation du patrimoine foncier, et ça on le fait à travers des colloques, à travers des manifestations comme aujourd'hui, mais aussi à travers tous les dispositifs que nous mettons pour collecter de l'épargne pour acheter des fermes. À chaque fois, ça donne lieu à des manifestations. Les fermiers eux-mêmes organisent des manifestations sur leurs fermes pour sensibiliser aussi leur environnement à l'action de Terre de Liens. Enfin, quatrième et dernier type d'action, c'est l'accompagnement des collectivités dans la préservation des fermes sur leur territoire. Et nous avons conduit sur les lieux avec les Sables-d'Olonne et avec la métropole normande, nous avons conduit des actions avec les collectivités pour la reconquête des friches et faire en sorte que ces friches soient remises en culture sur ce territoire périurbain. Voilà. Pour en finir, Terre de Liens Pays de la Loire, c'est qui c'est d'abord 350 adhérents sur le territoire régional, c'est 1200 actionnaires et c'est plus de 300 donateurs. Tout ça pour...
terme en 5 ans, 5 autres étant en cours d'acquisition. C'est 4 GFA ici qui ont été accompagnés et c'est 413 hectares, un peu plus même, qui ont été protégés avec 27 fermiers installés sur une ferme d'Arbevien et des installations qui se sont faites sans que les fermiers soient des fermiers d'Arbevien. On a des difficultés à les couper, mais on sait qu'ils sont assez nombreux. Alors, si vous voulez faire pousser des fermes près de chez vous, et si ça vous tente, eh bien, rejoignez-nous et allez à Arbevien, voilà. Et signez l'initiative européenne. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vais maintenant inviter Mireille Bourdon de l'association Vert Pays Blanc et Noir à intervenir pour nous présenter un peu effectivement sur la même thématique du sol, mais plutôt côté pression de l'urbain sur le littoral et l'importance de certaines réglementations pour justement protéger nos sols. À toi, Mireille. Bonjour, donc je suis représentante ici donc, de l'association Vert Pays Blanc et Noir. Pourquoi ces trois couleurs? Tout d'abord vert, protection de l'environnement. Blanc, la couleur du sel des marais salants. Et noir, la couleur de la terre issue de la Brière. Voilà pour l'explication du nom de notre association qui a été créée en 1998. Alors, mon intervention portera essentiellement sur le littoral, qui est une zone à fort enjeu, à partir d'un exemple qui est la presqu'île guérandaise. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, elle se situe à peu près à 50 km d'ici. Et à travers un texte de loi appelé la loi littorale. Donc je voulais tout d'abord introduire donc, cet exposé à partir de cette diapo qui est issue donc, du service de l'État et qui est un projet qui date des années 60 porté par un personnage connu dans la région, Olivier Guichard, qui à l'époque était ministre de l'aménagement et du territoire. Appuyé également par bon nombre d'élus locaux et qui considérait que l'activité des marais salants était une activité qui n'était pas compétitive, donc qui était amenée à disparaître. Et en remplacement, et bien, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, l'attraction, c'était cette magnifique marina, située donc entre Guérande et le Croisic, qui devait voir le jour et qui amenait la disparition totale des marais salants. Il y a bien sûr une mobilisation importante qui a été faite donc par les acteurs locaux, en premier bien sûr les paludiers, mais aussi donc les habitants donc de la presqu'île, relayés par un bon nombre de syndicats, de militants écologistes, d'universitaires et de militants bretons, et qui ont su mener des actions autant locales qu'au niveau national, et qui ont abouti finalement à l'annulation, enfin à l'oubli complet de ce projet-là. Je pense qu'on peut faire un certain parallélisme entre ce combat qui a été mené dans les années 60-70 en presqu'île guérandaise et ce qui se passe ici sur ce territoire où nous sommes réunis aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui maintenant, où en sommes-nous? Eh bien aujourd'hui, par rapport aux années 60, nous avons donc un texte qui s'appelle la loi littorale, élaboré en 1986 et voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, ce qui est un fait rare en France. Donc, quel est l'objectif donc, de cette loi? Protéger, comme vous pouvez le lire, les espaces naturels du littoral et les rives des grands lacs, tout en garantissant un accès public à ces espaces. Effectivement, ce n'est pas que le bord de mer, la loi littorale, c'est aussi donc, le contour donc, des temps, mais je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure dans le cadre du dossier Notre-Dame-des-Landes. Cette loi, donc, votée en 86, a nécessité 10 ans pour voir l'application de son décret. Donc il a fallu attendre 10 ans. Aujourd'hui, il n'est pas systématiquement appliqué dans les PLU, nous verrons ultérieurement. Donc une loi que nous considérons comme étant exemplaire en matière de protection de l'environnement, mais qui est devenue aussi finalement un texte d'aménagement du territoire. Face à, effectivement à la pression immobilière du littoral, qui est 3 fois plus forte que sur le plan national, cette loi littorale est un outil qui permet de résister à la fois aux assauts de l'érosion et des submersions marines, mais aussi aux assauts de l'urbanisation et de l'appétit vorace des promoteurs.
son principe. Alors, nous n'avons pas le temps pour aller très loin dans sur le côté technique de la loi. Je vous présente simplement la grande ligne de la loi. Nous pourrons tout à fait, au besoin, répondre à vos questions ultérieurement. L'interdiction de construire dans la bande des 100 mètres à partir des limites hautes de la mer, c'est-à-dire en marée haute, et l'obligation d'urbaniser uniquement en continuité du bâti existant pour éviter le phénomène du crinotage des côtes. Donc voilà, ça c'est le principe. Cette loi, il y a eu donc un sondage en 2014, il se trouve que 91% des Français ne souhaitent pas l'assouplissement de cette loi littorale. Un deuxième chiffre significatif, 61% des Français font confiance aux associations pour défendre le littoral, alors que seulement 33% des Français font confiance aux élus. Et moi je crois que ils ont raison, ces 33% de Français. Pour avoir assisté récemment à la mise en place d'une assemblée régionale des Pays de la Loire sur la mer littorale, et en présence du président de l'Association nationale des élus du littoral, qui a évoqué donc cette fameuse loi, et qui, en résumé, a mis en évidence, bon, nous, les élus du littoral, ben, nous sommes pour cette loi littorale, mais vous savez, elle n'est plus adaptée aujourd'hui. Donc nous souhaiterions la réécrire ou à minima l'amender. On sait ce que ça veut dire derrière. On sait ce que ça veut dire parce qu'on a eu plusieurs tentatives pour voir changer cette littorale, mais dans le sens que nous ne souhaitons pas. Je vais te demander la réponse suivante. Donc, effectivement, c'est une loi qui a sans cesse été malmenée par les décideurs politiques et des lobbies immobiliers. Nous avons deux façons de voir le littoral. Soit c'est une zone à conquérir au nom du développement, d'une croissance, certains types de croissance, ou bien alors, au contraire, une zone à défendre au nom des prochaines générations. Donc, à partir du moment où nous défendons ce premier volet, c'est une zone à conquérir, il est évident que plusieurs exemples viennent automatiquement, au niveau des associations des Pays de la Loire, à différents exemples. Que ce soit Brétignolles, où il y a un projet de marina que vous pourrez comparer à ce projet que je vous ai présenté en introduction. Il y a aussi Noirmoutier. Historiquement, dans Moutier, il y avait comme un consensus, c'est-à-dire il y avait un tiers de l'île qui était consacré à l'agriculture, un tiers de l'île qui était considéré comme une zone naturelle et un tiers qui était tourné vers l'agriculture. Mais au fil des années, bien sûr, pour ceux qui vont de temps en temps à Moutier, vous verrez que cet équilibre n'existe plus du tout et qu'on arrive à une urbanisation forcée de l'île et qui posera certainement un jour un problème, j'espère, moins grave qu'en Vendée, lors d'une tempête extrême, enfin extrême, je dirais, une tempête forte et avec des risques de submersion. Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, alors il y a un projet de thalasso dans les cartons. Lors de cette assemblée, j'évoquais tout à l'heure régionale, là, il y avait le maire de Saint-Hilaire-de-Riez, et qui regrettait finalement qu'à cause de cette loi-là, il y a un projet donc, de thalasso qui traîne depuis des années, et il était désespéré et voulait témoigner de l'impatience des promoteurs qui ont attendu quand même plus de 5 ans dans les cartons et qui ne voient toujours pas la réalisation de ce projet de thalasso. Enfin, donc, Vénissy, projet Vénissy en presqu'île guérandaise, il y a eu deux tentatives dans les années de 2000, disons, pour simplifier, le dernier étant un projet Vénissy avec une construction aux abords des marais salants. Donc, l'association, dans le cadre d'un collectif, avec un syndicat des paludiers, avec des élus, ont réussi donc à reporter ce projet qui avait. C'était une maison de retraite hein, qui n'avait pas lieu d'être construite aux abords des marais salants parce que ce projet-là, finalement, derrière, il y avait une pensée pour développer derrière un projet immobilier qui n'avait rien à voir avec les maisons de retraite. Et finalement, nous avons réussi à faire déplacer ce projet-là dans le centre de Guérande où finalement, il y avait plus sa place qu'aux abords des marais salants. Alors, malmenée, voilà, récente tentative. En 2014, un rapport sénatorial porté par deux sénateurs, un de l'UMP et une issue du PS, qui souhaitait une décentralisation de l'application électorale, c'est-à-dire cette région de faire appliquer et de moduler la loi électorale selon la particularité de leur région. Vous imaginez bien que c'est une brèche où les régions électorales ne demandent qu'à s'engouffrer avec le risque de clientélisme que cela peut engendrer.
une nouvelle tentative en 2016 et qui prenait donc la décentralisation, mais aussi un développement possible hors de zones constructibles, de zones à activité commerciale. Donc, qui, pour des raisons officielles, n'a pas pu voir le jour cette nouvelle tentative en raison d'un calendrier, calendrier des élus, mais qui en réalité est essentiellement due à une pétition, à une mobilisation très importante, une pétition qui a eu lieu sur, qui a été mise en place sur Internet et qui à ce jour réunit près de 280 000 quand même signataires. Et je vous invite donc à rentrer chez vous, aller sur Internet. Et puis vous avez la pétition « Ne touchez pas la loi littoral ». Et je vous invite fortement, parce que sachez que les élus du littoral, suivis donc bien sûr par les promoteurs, ne souhaitent qu'une chose, c'est la grignoter cette loi pour la vider de son contenu. Et c'est la pression des citoyens qui peut-être permettra donc d'éviter cette tentative. En effet, parce que l'État est propriétaire de son domaine maritime, donc il ne peut à ce titre-là s'affranchir de la gestion de son littoral. Un autre élément à bien garder en mémoire, les pertes humaines et les dégâts causés par la tempête Xynthia auraient été moindres si seulement la loi littorale avait été appliquée plus tôt, ici et ailleurs. Nous, nous considérons, dans la mesure où c'est un héritage que nous avons de nos anciens, donc la gestion du littoral, mais que nous devons porter pour les générations futures, nous considérons au contraire que la loi ne doit pas être malmenée, mais au contraire, doit être confortée. Effectivement, cette loi littorale, elle doit être d'une part un rempart de lutte contre l'étalement urbain, mais aussi un vecteur important de la protection de la population. Donc, à ce titre-là, bon nombre de préconisations sont faites, je vais assez simplifier aussi cette présentation, par des associations, par des universitaires et par des collectivités. Donc, un exemple parmi les associations, bien sûr, je vais citer FNE, qui, parmi les nombreuses listes de préconisations, souhaite un contrôle plus rigoureux des préfets en matière de l'égalité des PLU. Et là, je saluerai au passage nos collègues corses de l'association Oulovente, qui vient de faire condamner un préfet qui n'avait pas à faire respecter la loi littorale dans le cadre d'un PLU d'une petite commune qui s'appelle Côte-de-Chavary. Le deuxième parmi les préconisations portées, celles sont portées aussi par des universitaires. Je souhaiterais saluer également le travail mené à Nantes par un groupe d'universitaires appelé Jolie Litomère, porté entre autres par une géographe, Céline Chadnas, qui a mis en évidence la notion de capacité d'accueil. À ne pas confondre cette capacité d'accueil avec la capacité d'hébergement. Souvent l'INSEE, finalement, quand elle parle du littoral, évoque souvent la capacité d'hébergement. Mais il n'y a pas que l'hébergement, il n'y a pas que le nombre de lits ouverts aux touristes. Il y a aussi la problématique du logement social, par exemple sur le littoral, dû à la pression immobilière, mais aussi les infrastructures comme problème d'assainissement. Donc tout ça, ces universitaires ont mis en avant, attention, il y a une capacité d'accueil, on peut jusqu'à un certain seuil, mais au-delà, on ne peut plus. Et troisième volet, les collectivités. Alors là, c'est un travail mené par le CESER, le Conseil économique, social, environnemental et régional, donc de la façade atlantique, qui a mis un rapport copieux et ambitieux, et entre autres, qui a mis en évidence la nécessité de préserver l'économie productive locale, entre autres, conserver donc les maraîchers, l'activité bien sûr agricole. Donc voilà, certains disent oui, il faut l'adapter cette loi littorale. On peut l'adapter, on peut tout à fait l'adapter, on peut s'adapter aux circonstances actuelles. En 86, on parlait peu d'éolien. Or, il se trouve qu'il y a eu en 2015 une adaptation donc permettant une exception donc à cette concentration urbaine avec la possibilité de déroger à ça dans le cadre des éoliens, des éoliennes à terre. Donc elle a été adaptée, mais elle n'a pas remis en cause l'esprit même de cette loi littorale, cette adaptation. Enfin, il faut bien garder à l'esprit la région des Pays-de-la-Loire, on parle toujours du sud, qui est ultra-urbanisée, mais la région de PACA est articulée à un niveau de 40%. Sachez que nous, on arrive juste derrière à un niveau de 30%. Et le phénomène continue. Des avancées, donc il faut quand même garder l'optimisme, hein, sinon on ne militerait pas, bien sûr. Des avancées notables. Bon, tout d'abord, il faut savoir que les plans locaux d'urbanisme doivent appliquer la loi littorale, ce qui n'est pas toujours le cas, à nous d'être vigilants.
mais des nouveaux textes aussi sont apparus, prenant également en compte les risques d'urbanisation sur le littoral. Je citerai deux exemples, les plans de prévention de risques littoraux, les PPRL, mais également les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels, les PEAN. Je pense qu'on sera peut-être amené à en discuter tout à l'heure des PEAN. Il y a, en presqu'île, c'est une avancée. Maintenant, il faut savoir défendre l'agriculture, les zones naturelles, ne pas oublier les zones naturelles, quel type d'agriculture. Et puis, il y a des PEAN qui sont, sur lesquels il y a une avancée, et puis il y a des PEAN qui sont tout à fait critiquables. Ça, on sera peut-être amené à en parler ultérieurement. Et ces documents, donc, c'est peut-être une avancée, mais c'est à nous d'être vigilants, nous les citoyens, nous les associations, pour faire évaluer, faire un bilan de ces documents-là et les actualiser en fonction des évolutions, tout en restant sur vigilants en tant qu'oppression économique. Et nous, localement, petite association donc de Presqu'île, nous faisons en sorte d'être présents dans les comités de pilotage donc de ces organismes-là. Et j'ai commencé par une diapo, une cartographie, donc je vais enfin, par une photo, un projet. Et voilà, je reviens beaucoup plus en arrière, en 1854, le plan cadastral du canton donc, de Croisic et Guérande, et qui montre toute la zone grise, ce sont des marais. Hein, et qui montre que finalement, c'est quoi le littoral? Eh bien, le littoral, c'est une zone tampon entre la mer et la terre, et c'est qu'il faut garder ça à l'esprit quand on parle d'aménagement du territoire. Au micro Yvan Fouquier de l'atelier citoyen qui va nous présenter ce qui se passe effectivement de façon plus concrète sur la question de l'articulation des sols liés au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et puis après on passera à un échange entre les intervenants, mais aussi avec vous. Hein, donc si vous avez des questions sur les interventions passées, gardez vos questions en tête et on fera passer un micro. Vous puissiez aussi intervenir, poser vos questions, soit de compréhension, soit de rentrer dans le débat avec nous après cette intervention. Bonjour. Donc, en fait, il est pas si mal cet aéroport, il est ouvert. Même la tour de contrôle est verte en été. Voilà. Donc, on ne le voit pas très bien, mais là, vous êtes ici. C'est normalement le lieu, ici, cette terre. C'est ce que j'ai repris là sur la photo satellite. On est tous ici, enfin moi c'est vraiment une de mes premières motivations d'être ici pour protéger justement ce sol. Donc, je vais revenir sur ce qu'a dit Florence et sur ce que vous avez dit déjà sur l'intérêt de la conservation des sols, mais je pense que enfin, pour beaucoup d'entre nous, c'est la préservation des sols, c'est une des premières motivations de cette lutte. Et donc d'où la carte, cette carte-là, en fait on est ici pour éviter d'en être là. On est arrivé là. Ça, c'est le projet tel que Vinci l'a dessiné à l'horizon 2050, comme ils disent. On voit qu'on est en bout de piste, donc c'est peut-être un bon signe. Cette question de l'artificialisation des sols, de l'étalement urbain, c'est un problème qui touche pas seulement la région nantaise, mais là on va parler de Nantes, on l'a vu aussi pour Guérande. Ça, c'est Nantes en 1960. Nantes, en 1960, l'agglomération nantaise, globalement, c'était 5000 hectares. 5000 hectares artificiels urbanisés. Aujourd'hui, on est à 17 700 hectares, presque 18 000 hectares qui sont urbanisés. Donc en 50 ans, on a multiplié par 3,5 les surfaces urbanisées. Donc vous allez me dire, bon, évidemment, la population aussi a grandi, donc c'est normal d'urbaniser plus pour loger plus de citoyens. Et en fait, non. La population, elle a augmenté, oui, mais elle a augmenté, elle a été multipliée par deux. On était en 1950, l'agglomération nantaise, c'était 360 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 600 000, un peu plus de 600 000 habitants. Donc, en gros, multiplié par un peu plus de deux, alors qu'on est multiplié par trois, non, un peu moins de deux, pardon, alors qu'on est multiplié par plus de trois, presque quatre, là, de la surface. Donc, finalement, la densité de cette agglomération, elle a été divisée par deux. Là, on le voit bien, en fait, cette carte montre un peu la densité d'occupation. Donc, plus c'est rouge et plus c'est occupé de manière dense. Et les tâches vertes,
c'est l'environnement, c'est ce qui est resté encore agricole et naturel, mais ce qui est violet, en fait, c'est toutes les zones qui sont artificielles mais qui ne sont pas habitées. C'est donc, on va au sud de l'aéroport, mais c'est aussi tous les centres commerciaux qui se... Vous voyez ici l'aéroport, et puis là, vous avez tous les grands centres commerciaux qui sont en périphérie nantaise. Donc toutes ces zones-là, en fait, elles ne sont pas habitées. Et d'où cette étendue. En fait, non, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut continuer de s'étendre, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'eau d'océan qui viendrait arrêter, il y a juste la Loire, on va traverser si facilement. Et du coup, il n'y a pas de limite à cette urbanisation. Depuis 50 ans, mais c'est un phénomène qu'on connaît dans toute la France, hein, dans le monde entier, il y a l'arrivée d'automobiles, du téléphone, des communications qui fait qu'on peut s'étendre toujours plus loin. Et sans vraiment de problèmes comme avant-guerre, on était obligé d'avoir des débits plus concentrés. Aujourd'hui, on voit que la limite, c'est justement la disparition des sols dont on a largement parlé ici. Alors, vous allez encore me dire, oui, mais ça, l'argument des pro-aéroports, c'est justement, si on déménage cet aéroport là, on va pouvoir densifier Nantes. Parce qu'en fait, les zones de bruit autour de Nantes limitent la construction. C'est ce qu'on voit ici, la zone... La zone bleu clair, là, en fait, ça s'appelle la zone C, et en fait, on ne peut pas construire de logements en fait, dans cette zone. On ne peut pas densifier cette zone. Donc, quand les pro-aéroports nous disent ça, on dit, ben oui, mais la zone là, bleue, elle est une certaine taille, mais il y a quand même tout le reste, donc on peut quand même densifier, sachant que la densité a été divisée par 2 en 50 ans. Et en fait, en mesurant tout ce qui est en rouge et en violet, on a en fait 320 hectares qui sont ici limités. Tout le reste de la zone bleue, c'est des zones naturelles. Ici, on voit qu'on a Saint-Ignon-de-Grandlieu, qui est une zone naturelle assez bien préservée, justement. Et puis bon, en rouge, effectivement, il y a des zones qu'on ne peut pas densifier. Mais ces zones-là, en fait, ça représente 320 sur 17 000 hectares, ce qui fait 18 000 hectares, ce qui fait en fait moins de 2%. C'est moins de 2% de l'agglomération nantaise qui est bloquée par la zone de bruit. Donc quand les pro-aéroports nous disent qu'on ne peut pas densifier Nantes, qu'il faut déménager l'aéroport pour pouvoir densifier Nantes, c'est une grosse impasse. Là, si on regarde un peu plus près, donc ça c'est Bouguenay-Lécouët. Donc on a en fait, quand je parle des 320 hectares, c'est cette partie-là de la ville. Ça, c'est encore des zones naturelles, mais qui sont, d'après le PLU de Bouguenay, à urbaniser. Mais bon, pour un risque naturel, c'est pas mal en ville, surtout quand il fait chaud, de garder un peu d'agriculture, un peu de zone naturelle. Il y a toute cette zone-là qui n'est pas urbanisée, puis il y a toute la zone Airbus et l'aéroport. Donc globalement, si on découpe, si on fait vraiment une ligne tout autour, on a ces 320 hectares qui sont bloqués par la zone de bruit. Mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à tout le reste. Ça, c'est au nord de l'aéroport actuel. Au sud de l'aéroport, c'est Saint-Ignon-de-Grandlieu, donc qui est protégé effectivement par la loi littorale, mais qui est surtout protégé par ces zones de bruit. Parce qu'on va voir les limites de la loi littorale, c'est que, on vous l'a présenté tout de suite, mais il y a une petite faille, c'est qu'effectivement, on peut continuer à construire en continuité du bâti. C'est la diapo suivante. Et en fait, en continuité du bâti, il y a déjà pas mal de bâti à Saint-Ignon-de-Grandlieu. C'est tout ce bâti-là. Et ce bâti-là, en fait, on peut imaginer que si la zone de bruit donc, qui protège de l'urbanisme ici, de la construction ici, venait à disparaître, ça serait assez facile de venir remplir ici. Et puis finalement, petit à petit, les constructions vont continuer dans le prolongement du bâti. Et ça, c'est des choses qui sont montrées, c'est des choses qui se sont faites même récemment. Ce lotissement-là, il a été construit il y a 3 ans. Donc il est juste au bord du lac de Grandlieu. C'est sa limite en vert de la zone protégée par le lac de Grandlieu. Là, on a un lotissement qui a 3 ans, 2 ans. Enfin, et là au-dessus aussi, on peut écrire la diapositive suivante. On a un autre lotissement ici qui s'est construit aussi il y a 2 ans. Là, on est dans la zone bleue. Celui-ci et celui-ci, c'est des lotissements qui sont bloqués, donc sont inscrits au PLU, mais ils sont bloqués en attendant que l'aéroport parte. S'il part un jour, évidemment. Mais si l'aéroport partait, en fait, ici, on viendrait construire. Et puis après, on imagine qu'on viendrait construire là, et puis là, et en fait, on viendrait tout construire partout. Donc là, on voit, ça, c'est juste construit, et ça, c'est juste construit aussi. Voilà, donc ça, c'est pour la partie aéroport existant. La question de l'artificialisation des sols autour de Nantes et dans Nantes. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de Notre-Dame-des-Landes, donc d'ici. Ça, c'est. J'ai mis tout ce qui était en vert, je l'ai mis en rouge pour qu'on voit un peu mieux, en fait, l'impact. Des constructions de l'aéroport et puis de tout ce qui va avec, en fait des parkings,
des parkings avions, de l'aérogare, des deux pistes et du fret, enfin tout ce qui est prévu à terme sur cet aéroport, sur les plans de Vinci. Donc là, on se rend bien compte que ce n'est pas si vert que ça ou si négligeable que ça. Et en fait, ce qu'on sait d'un aéroport, c'est qu'un aéroport, c'est quelque chose qui attire, en fait, qui attire l'activité. Là, actuellement, il y a 5 millions de passagers à Nantes-Atlantique, il y a Airbus qui travaille juste à côté, qui a besoin de l'aéroport. Il y a des dizaines d'entreprises qui envoient leurs cadres, enfin, etc. Donc il y a une activité autour des aéroports. Les 5 millions de passagers, ils vont drainer des activités autour. Enfin, ils vont déplacer, parce que les activités, elles existent déjà au sud de Nantes. Et donc, ces activités, cette carte, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est inscrit dans le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire. Et en fait, tous les petits points roses, donc là, c'est le projet d'aéroport, tous les petits points roses ici, en fait, c'est des zones d'activité qui sont soit qui existent, soit où il y a des projets de développement. Il y en a une très grosse ici, autour de Frayères, et on a une ici, qui sont aussi très grandes. Et toutes ces zones-là, en fait, parce que là, c'est pas moi qui l'invente, cette carte, c'est vraiment des choses qui sont programmées déjà. Donc, quand on vous dit, mais non, mais ça, c'est que l'aéroport, et à côté de l'aéroport, on vous a fait ce qu'on a appelé donc un péant, le périmètre de protection des zones agricoles et naturelles. Ce périmètre de protection, effectivement, il va protéger un petit peu là au milieu où il n'y a pas de route. Mais le long de la N136 et la N165, on va venir reconstruire. En fait, on voit ici, donc le péant, c'est tout ce qui est en blanc ici, donc on est protégé là. On est protégé là, mais Treillières n'est pas protégé. Terrain terrestre soit protégé, et surtout le long des quatre voies, on n'est pas protégé. Donc les zones d'activité qui existent déjà, certaines ont des projets pour s'agrandir, et certaines sont sans projet. Ici, on a une zone d'activité de RN, je crois, qui fait 50 hectares et qui va à terme faire 200 hectares. Ici, il y a la zone point rouge qui aussi va s'agrandir aux 30 hectares. Donc à chaque fois, c'est des hectares grignotés. Et on en arrive là où, enfin exactement au même schéma qu'on a depuis 1950. Et même si la volonté des élus et le discours des élus, c'est oui, on veut moins de pollution, moins de CO2, moins d'artificialisation des sols, on sait très bien que derrière, il y a quand même tous ces projets qui se font, qui se programment. Donc il y a une sorte de double langage, en fait. Quand on rentre dans les documents, on voit qu'il y a quand même une pression pour aller construire sur ces sols. C'est ma dernière diapo. Donc, en fait, là, on voit bien le péant, on voit l'aéroport, le péant est ici. Donc tout ça, c'est protégé, mais tout le reste n'est pas... Et le lac de Boigneux aussi est protégé, mais tout le reste n'est pas vraiment protégé. Et donc, si ce projet se fait, la raison pour laquelle on est là pour lutter contre ce projet d'aéroport, c'est pas uniquement contre le projet d'aéroport, c'est vraiment pour protéger les sols, entre Nantes et ici, et même au sud de l'aéroport actuel, sur les terres de Saint-Émilion-Point-Loup. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais rappeler toutes les personnes qui sont intervenues à venir s'asseoir devant pour pouvoir échanger entre nous, mais aussi avec vous. Voilà, on a deux micros sans fil, donc je vais en faire passer un dans le chapiteau, sous le chapiteau, que vous puissiez poser des questions. Moi, je voulais faire poser une question aux intervenants pour faire le lien, justement, peut-être Florence, sur l'appel du sol, du pôle for sol, l'initiative européenne, et ce qui nous a été présenté, soit sur la presqu'île de Guérande, soit sur l'île de Terre de Liens, et effectivement, ce qui se passe ici à Notre-Dame-de-Lande. Oui, je pense qu'il y a deux points communs. Protéger notre terre, les terres, des terres agricoles, qui en plus, sont déjà dans l'agroécologie. Ici, il n'y a pas besoin de replanter des haies. Elles sont encore là, heureusement. On a déjà des sols agricoles précieux, pas loin de Nantes. On doit travailler aussi sur les questions... non pas d'autosuffisance alimentaire, mais de meilleure autonomie alimentaire. Même, alors, il faut savoir, hein, Nantes est parmi les villes qui s'alimentent le plus, c'est la troisième ville de France avec Angers, dans son environnement proche. Et ça veut dire quoi, s'alimenter le plus? C'est 7%
des produits consommés sur Nantes viennent de la région nantaise. C'est quand même pas beaucoup, et on est les meilleurs de France. Donc c'est vrai que ces questions de lien au sol, de notre agriculture et de notre alimentation, ils viennent vraiment rentrer en résonance directe avec cette lutte-là. Et évidemment, cette préservation, ici, nous sommes ce qu'on appelle en tête de bassin versant, en matière de lien étroit qui est entre l'eau et les sols. Les têtes de bassin versant, c'est là où se fait la quantité et la qualité de l'eau. Là, on est dans une zone de source, normalement ça ne se voit pas comme ça, mais reconnue dans les documents officiels, avec des zones humides qui stockent du carbone, qui permettent de réguler le cycle de l'eau, ça lui donne vraiment un rôle essentiel. L'autre point commun, c'est évidemment, je pense que l'exemple de la presqu'île guérandaise avec les marais salants qui étaient condamnés par les grands projets parfaitement inutiles, quand on voit aujourd'hui comment le combat citoyen, c'est marais salants, faut vraiment. Enfin, je suis originaire d'ici, mais j'étais petite à l'époque. Ils auraient complètement. Enfin, vous imaginez l'identité de la région. Comment elle aurait été perdue avec cette perte des marais salants. Et la protection du littoral, même avec une loi, nous là on se bat pour avoir une loi européenne et aussi une loi nationale sur les sols. On sait que l'appétit des promoteurs, l'appétit sur les sols, c'est vraiment. Il faudra aussi défendre la loi, même quand elle existe, il faut aussi la défendre dans son application. Et ça, c'est vrai que Mireille a eu raison de saluer. Nous, dans le mouvement FNE, on a beaucoup d'associations qui sont sur la préservation du littoral vis-à-vis de ces enjeux-là. Il faut voir, il y a beaucoup de paysages que dont nous profitons qui sont quand même issus d'un combat associatif, d'un combat citoyen, parce que la loi, généralement, elle ne s'applique pas toute seule. Donc c'est vraiment les deux, hein, c'est l'engagement citoyen pour protéger nos terres et que prendre conscience qu'ici, on a des terres qu'il faut absolument préserver de tout aménagement, parce qu'elles ont un rôle clé, je dirais, au-delà du site de Notre-Dame, dans tout le fonctionnement des écosystèmes de cette région. Merci beaucoup. Je vais prendre peut-être quelques réactions dans la salle, si vous avez des réactions, qui veulent poser des questions, levez la main, je vous apporte le micro. Là-bas. Oui, moi j'ai deux questions. J'en avais une sur le zéro urbanisation. En fait, qu'en est-il des agriculteurs qui veulent se lancer, donc les porteurs de projets, et qui ne peuvent pas racheter des bâtiments avec les terrains et qui du coup vont être obligés de construire un terrain, notamment les maraîchers et les éleveurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, j'ai des copains qui ont acheté 7000 m² et qui ont un super projet en autonomie et enfin, voilà, avec une maison écologique. Voilà, quel est votre avis là-dessus? Et puis la deuxième question, c'était sur Terre de Liens, sur le fonctionnement. Qu'est-ce que vous avez comme garde-fou pour éviter, je ne sais pas si un jour il y a un mec qui veut se faire la thune avec tous les terrains que vous avez. Je crois que les agriculteurs ne peuvent pas être propriétaires des terrains. Et du coup, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme protection pour éviter qu'un jour, vous pouvez imaginer que ça devienne, que ça soit vendu à des Comment on dit? Des requins, quoi. Merci. Je laisse répondre. Vous êtes Terre de Liens? Je suis la première. Alors, sur la première, normalement, dans les documents d'urbanisme. Mais après, voilà, c'est chaque cas particulier. On a des zones urbaines, des zones à urbaniser, avec des enveloppes de consommation. Des zones agricoles et des zones naturelles. Et normalement, dans les zones agricoles, il y a des dérogations pour pouvoir construire le siège d'exploitation. Alors, plus ou moins, c'est le gros problème des documents d'urbanisme, c'est que la règle, elle est très très différente suivant les communes ou les intercommunalités plus rarement qui les écrivent. Avec parfois des vraies passoires, parfois des choses pas ajustées aussi, alors je ne sais pas dans quel coin vous parlez, mais c'est vrai que la préservation agricole prévoit normalement la préservation des sièges d'exploitation, la capacité des agriculteurs de s'installer près de leur terre. Donc ça, après, c'est plus un cas par cas, mais
c'est quand même l'esprit avec aussi beaucoup de jeux comme, comme sur la loi littorale, sur la rénovation plus ou moins permise des bons bâtiments agricoles, mais qui tout d'un coup deviennent des résidences secondaires et qui font augmenter les prix. Voilà, on est sur des enjeux assez subtils et sur des jeux d'acteurs très complexes à l'échelon très local. Mais normalement, préservation des terres agricoles, possibilité d'installer son siège, va ensemble. Et après, comment ? Alors, moi, j'ai, sur cette question du bâti, d'abord, il faut que le bâti soit adapté à l'usage. Et c'est vrai que c'est souvent une question, je vois tout à fait la réponse qui vient d'être faite, mais c'est vrai que c'est une question qui est importante par rapport aux activités de la ferme et à l'usage qu'on peut en faire. Ça, c'est un premier point. Cela dit, s'il y a besoin, il y a un certain nombre de... il y a une association déjà en Pays de la Loire qui réfléchit à la façon dont on peut construire, je dirais, du bâti réversible. C'est l'association Atmosphère qui a été créée notamment par un administrateur de Terre de Liens. Pourquoi réversible? Parce que ça permet de créer des bâtiments qui ne touchent pas au sol en tant que tel. Donc ça permet l'activité, ça permet que le bâtiment existe autant d'activité, mais une fois que l'activité change, eh bien, ça permet de retrouver l'état du sol dans lequel il est. Donc ça, c'est une première réponse. Par ailleurs, sur la question de comment on garantit le foncier à très long terme, c'est vrai, les fermiers de Terre de Liens ne pourront pas devenir propriétaires en principe, hein, et parce qu'ils ne le souhaitent pas souvent, et parce que c'est une façon, Terre de Liens est quand même, je dirais, le moyen d'éviter la charge foncière, qui est un gros endettement pour le fermier en termes d'installation. Donc, c'est pas forcément souhaitable qu'ils deviennent propriétaires. Par contre, leur garantir, effectivement, garantir, je dirais, la propriété collective du foncier, c'est un point important. Et comment nous pouvons garantir cette propriété collective? J'insiste beaucoup sur le terme collectif. Parce que, justement, les terres sont achetées, quand on fait 75% de la collecte pour acheter les terres en proximité de la ferme, ce sont des citoyens finalement engagés qui contribuent à l'achat de ces fermes. Et ce qui est important, et tout à l'heure je le disais à travers le GFA et les CI, pourquoi on travaille aussi sur ces questions-là, c'est parce que ça permet de mobiliser encore plus, au-delà de l'achat, ça permet de mobiliser les citoyens sur la gestion éventuellement de ce foncier-là à terme. Donc, je dirais que ce qui garantit le foncier, la propriété collective du foncier, c'est bien l'action citoyenne et l'engagement des citoyens qui permettent d'acheter ces fonds. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui se passera dans 100 ans, mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à garantir tout ça, les choses vont évoluer, qu'on arrivera à garantir ce foncier. Merci pour cette réponse. Je vais vous donner le micro comme ça. Là, on peut faire l'inverse. Si le paysan il rachète sa terre, il peut très bien après spéculer. Et puis, mais j'ai l'impression quand même que ça marche. Plus près. Bon, donc, comme ça. Sur le menton. D'accord, j'aime pas les glaces. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous retourner la question. Si un paysan rachète sa terre, rien ne nous garantit que la terre restera agricole et qu'il peut après la revendre et spéculer dessus. Alors que Terre de Liens, c'est quand même un truc plus collectif. Pardon. Oui, il y a un bail, mais... Non, il y a un PMU quand même avec l'école, etc. Il faut la sortir de la zone agricole. D'accord. Prise de parole là-bas, je vais chercher. Oui, c'est pas long, mais c'est pour revenir sur ce problème effectivement de construction pour les gens qui utilisent la terre et qui travaillent la terre. Effectivement, moi j'ai dans une commune quelque chose d'assez particulier parce qu'on demande pour pouvoir bâtir l'obligation d'être sur place, notamment pour les élevages. Donc vous achetez une vingtaine d'hectares pour élever les chevaux de course, hein, et ben vous pouvez construire, très souvent ça marche parce que vous pouvez déclarer exploitant, comme on dit, et vous pouvez bâtir. Et puis, j'ai un copain maraîcher, il a mis 3 ans à avoir le permis parce que le maraîchage ne nécessite pas d'être forcément sur place. Il arrose le dimanche, etc. Il vous sert.
Et donc, ça a été un combat aussi local pour obtenir la possibilité d'habiter sur place. Oui, bonjour. C'était plus pour parler des terres viticoles au sud de Nantes, où il y a eu pas mal de terrains arrachés suite aux primes à l'arrachage. Et c'était savoir si vous aviez travaillé sur le sujet de réhabilitation de ces sols-là, qui sont quasi morts sur quelques centimètres, et savoir si vous aviez aussi des projets d'implantation, soit de ces fermes ou autre chose. Alors, pour répondre plus précisément, non, on n'a pas travaillé précisément sur le territoire dont vous parlez. Je sais qu'il y a une action en ce moment qui est en train de se faire, notamment soutenue par l'Arméa. Alors, c'est Arméa, aidez-moi, parce que la déclinaison, c'est Arméa. C'est lié à la Confédération paysanne. Voilà. Simplement les choses. Et il y a tout un travail qui est fait sur effectivement le retour aussi d'un certain nombre de vignobles en friche. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour le maintien, je dirais, de ce vignoble. Ce qu'il faut que je vous précise, c'est que Terre de Liens, on achète une ferme à condition qu'il y ait un candidat à l'installation. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de foncier pour acheter du foncier. On achète du foncier pour installer quelqu'un. Donc ça nous est arrivé d'installer des viticulteurs, pas encore beaucoup, mais ça nous est arrivé. Donc si vous voulez, on va pas aller préempter des terres comme ça parce qu'il faut les protéger. Enfin, c'est toute une démarche qui fait que acheter de la terre, c'est pas seulement. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que cette terre elle vive, et donc pour qu'elle vive, il faut quelqu'un qui la fasse vivre. Et quelqu'un qui, la cultive et la soigne. Voilà. Donc ça, c'est un point important pour nous. Par ailleurs, ces projets-là, il faut aussi qu'ils soient viables et que la personne qui travaille sur cette terre, elle travaille en autonomie et en économie sur sa terre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des interventions sur lesquelles nous on peut renoncer parce qu'elles sont trop coûteuses et qu'il y a des effets spéculatifs sur les terres et ça, on ne peut pas accompagner ça. Nous, notre souhait aussi à Terre de Liens, c'est de lutter contre la spéculation foncière. Donc c'est de faire baisser les prix et quand on est sur des prix qui sont trop élevés, on abandonne, on cherche autre chose. Voilà. Quand on est importeur de projet. Donc la démarche, c'est pas acheter du foncier pour devenir propriétaire foncier. La démarche, c'est acheter du foncier pour installer. Je vais prendre d'autres prises de parole. Il y en a une là-bas, puis il y en a une seconde là. Oui, bonjour. Vous avez été plusieurs à parler de la terre bien commun. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, on ne remet jamais en cause le droit de propriété, parce qu'aujourd'hui, la terre est marchande. Elle est détenue par plein de propriétaires, des petits et des gros. Tout le monde veut spéculer, le petit comme le gros. Et je ne vois pas comment on peut faire avancer les choses tant qu'on ne met pas en cause le droit de propriété. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Le droit de propriété, il est inscrit dans la Constitution, il date de la Révolution française, donc c'est un peu compliqué de le remettre en cause comme ça. Simplement, quand on dit que je veux être un propriétaire foncier et un propriétaire collectif, c'est-à-dire que ce n'est plus une personne, mais c'est un ensemble de citoyens qui est propriétaire. Et quand on dit qu'on encourage le GFA et le CI, c'est aussi parce que ça permet d'avoir justement un regard de proximité plus fort encore sur les terres, sur ce foncier collectif. Donc voilà, c'est un peu la brèche qu'on essaie de mettre dans le coin de la propriété individuelle, en tout cas. Mais l'action que l'on mène par rapport dans cette direction-là. Le propriétaire. Attendez, la question c'était qu'est-ce qu'on fait et comment on lutte contre ça. Je dirais qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour le faire, mais je pense que la mobilisation citoyenne autour des fermes, pas seulement dans l'achat des fermes, mais autour des fermes, la mobilisation citoyenne sur
la préservation des terres agricoles, etc., c'est autant de points qui sont en procès par rapport à la question de la spéculation foncière. Juste ajouter, en fait, c'est effectivement le problème, enfin, c'est un des problèmes avec son propriété. Il y a l'appel du sol qui appelle à réglementer donc, le sol et limiter le plus possible l'artificialisation. Et limiter ça le plus possible, mais il y a effectivement la question de la valeur du sol, en fait. Quand vous dites qu'effectivement c'est 6 000 euros l'hectare, donc ça fait 60 centimes le mètre carré, c'est quand même 60 centimes le mètre carré, c'est rien. Enfin, c'est, pour un agriculteur, c'est beaucoup, mais pour un propriétaire qui va bâtir ensuite, qui va donc prendre les terres pour bâtir, c'est absolument rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, quand on bâtit effectivement pour la terre agricole, bon, on la viabilise, enfin, il y a un certain coût qui est lié à ça, mais globalement, le coût, c'est pas. Enfin, entre du sol qu'un promoteur va acheter 60 centimes, qui va viabiliser, et puis le jour où il va le revendre 100 ou 200 euros le mètre carré, il y a quand même une plus-value qui est énorme. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. C'est vraiment un des enjeux importants, parce qu'en contrepartie, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut prendre les terrains pollués, les terrains qui sont déjà artificialisés, les terrains qui sont les parkings, enfin tout ce qu'on peut densifier, il faut densifier au maximum. Mais densifier, ça coûte entre 50 et 500 fois plus cher de dépolluer un sol, de venir le dépolluer pour le rendre constructible, que d'acheter des terrains agricoles et puis de les viabiliser. Donc c'est vraiment là-dessus où il faudrait, en plus de la loi, en plus de dérèglements qui limitent la construction sur les sols agricoles, ça serait de voir cette question de la valeur. C'est vrai qu'on travaille dans un cadre existant, constitutionnel existant, et d'ailleurs ce qui a bloqué au niveau de la législation sol européenne, c'est bien justement ce fameux droit de propriété hyper protégé. Je voulais juste rebondir sur ce que dit Yvan. Nous, à FNE, au niveau national, on a travaillé dans un comité de fiscalité écologique. Il y a des micro-mesures de taxation de la plus-value, etc., etc. Vraiment infime. Sauf que, comme on l'a fait de façon trop partielle, là, on avait une université d'été, on avait étudié ces mesures-là. En fait, ces mesures-là bénéficiaient à l'artificialisation, l'urbanisme de bureaux, l'urbanisme commercial de zones d'activité et de bureaux qui est encore dans des prix de terrain à bâtir qui sont incommensurables. Donc c'est vrai que la pression, elle est là, on est d'accord. Et les petits outils qu'on a pour freiner ce gros rouleau compresseur, parfois ont des effets pervers. Donc la nécessité d'avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux, parce que en fait on n'arrive pas avec. Pourtant on a des outils, hein, et nous on siège dans les CDPNAF qui est un, etc. Mais en fait le mouvement est beaucoup plus lourd que ces petits outils de régulation, ça c'est clair. Alors, je voulais, pour information, il y a une exception à ce principe donc, de propriété privée en France, qui est donc le domaine public maritime. Le domaine public maritime, il n'appartient pas au privé, il appartient à l'État. Et donc, l'État a la responsabilité de gérer. Donc, dans le cas, par exemple, de l'éolien en mer, une société privée ne peut pas s'implanter sans l'autorisation de l'État, puisque ce périmètre appartient à l'État. C'est la même chose pour la plage. Quand vous avez la plage et des restaurants de plage, eh bien, ils sont sur une zone qui appartient à l'État, domaine public maritime. Et beaucoup de restaurateurs ou professionnels donc des plages l'ont oublié et ont voulu s'installer, mais de manière pérenne. Et un texte de loi en 2006 a été instauré, il s'appelle le décret plage, et qui avait l'avantage donc, de limiter donc, dans le temps et dans l'espace cette activité qui ne la supprimait pas, mais qui partait du principe, attendez, d'accord, vous êtes là, chacun a plaisir après tout d'aller prendre un verre le soir sur la plage, ça ne remet pas ça en question, mais on vous prête ce droit d'utiliser donc ce domaine public maritime. Mais bon nombre de professionnels ont voulu s'accaparer cette bande littorale et ont voulu remettre en question ce décret plage. Et récemment encore sur la baie, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez donc d'un côté la baie de Pornichet-la-Baule, à gauche, ils sont du même bord politique, hein, mais à gauche, à Pornichet, l'élu a pris conscience donc, qu'il avait la responsabilité de gérer ça, puisque c'est un domaine public maritime, je le rappelle encore une fois, et donc il a remis ça en question, ok, j'applique le décret plage, je l'applique. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le même sable, la même baie,
L'autre maire, celui de La Baule, a dit non, finalement, je ne veux pas, je ne prends pas ça en compte. Et puis, Veolia est arrivée. Et puis Veolia, pour le moment, est celui qui a répondu donc, dans l'appel d'offres pour gérer donc, le restaurateur. Et puis cette bande littorale, qui, je rappelle, est un domaine public maritime. Donc, qui appartient à tous. Juste, je rajoute deux mots que j'ai oublié pardon, de dire dans ma présentation, en fait. C'était, j'avais en tête, mais j'ai oublié. Et c'est vraiment lié à ça. C'est cette terre, je vous disais que c'est ma motivation principale de préserver cette terre, de préserver les terres jusqu'à Nantes. C'est dans cette lutte, c'est ma motivation, mais c'est aussi la motivation principale des porteurs du projet. En fait, ce n'est pas un projet d'aéroport, c'est un projet immobilier, le projet Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, si, le projet Notre-Dame-des-Landes, c'est une tête de gondole, comme on dit en marketing. Quoi. En fait, pour le moment, entre ici et Nantes, il y a des terres qui ont une valeur agricole, certes, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur foncière. Et si on construit un jour un aéroport ici, mais toutes ces terres vont prendre de la valeur. Donc, je montrais, il y a le Béron qui protège une certaine partie de ces terres, mais il y a aussi plein de terres qui elles, ne sont pas protégées et qui vont, en fait, prendre de la valeur et se développer comme ça en zone d'activité, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi... c'est la question de l'accaparement des terres ou de la protection des terres, c'est vraiment de la lutte foncière. C'est le cœur de ce débat et ce n'est pas du tout un projet aéroportuaire pour faire un tir et des avions. Une question de ce côté-là. Oui, je voulais intervenir sur le dossier de propriété et du prix des terres qu'on a évoqué. Juste pour rappel, le prix des terres agricoles dans le coin Nord-Loire-Atlantique, on est autour de 1 500 euros l'hectare dans cette région de Bocage, ce qui est lié surtout aux luttes paysannes qui ont eu lieu depuis 40-50 ans. Et sur les totems, on a un peu l'histoire de ces bagarres qui est expliquée. Je voulais aussi rappeler pour mémoire qu'à une époque, c'est pas demain qu'on va avoir une hausse de la propriété foncière. Le grand soir, c'est encore pas dans l'ordre du jour de nouveaux élus. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette zone agricole le jour où elle va être libre de projet? Qu'est-ce qu'on va faire de ces terres qui appartiennent aujourd'hui, qui appartiennent, reviendront à l'État? Et je pense que ce sera un laboratoire intéressant. Et juste aussi pour rappel, on avait eu dans les années 80 un projet d'office foncier en France et qui avait été travaillé beaucoup en Loire-Atlantique et qui avait été enterré par Rocard quand il a été Premier ministre. Est-ce qu'il y a une réaction des intervenants ou pas sur votre question ? Juste, sincèrement, déjà, la lutte continue et il faut vraiment se mobiliser nombreux parce que c'est pas gagné quand même. On est à fond là sur les épisodes de la médiation, donc il y a quand même beaucoup d'arguments à sortir sur pourquoi c'est un mauvais projet Notre-Dame-des-Landes pour les plusieurs dimensions. Bon, une partie avec vous était exposée là-dessus. Sur l'avenir de la zone, moi, je suis pas inquiète. Le combat de... Alors, j'ai pas participé, je suis un peu jeune pour participer au LASEC, mais ils ont très bien réussi à maintenir le tissu social qui maintient la lutte associative, et on le voit bien aujourd'hui, continue. J'ai après la victoire, et sur le LASEC, ils ont maintenu une gestion collective par convention avec l'État, avec les terrains achetés, etc. Il y aura une vigilance à avoir, et je crois qu'il y a déjà des réflexions qui se font. D'abord, l'abandon de notre alliance, c'est tout de suite pour vraiment préserver nos sols et notre qualité de vie. C'est d'abord ça, la première étape. Oui, bonjour. Donc, je suis voisin, moi, je suis dans le Nord Anjou, donc côté de Notre-Dame-des-Landes. Et nous, on essaie de préserver là-bas un petit bout de domaine forestier qui comprend une ferme, un hippodrome et puis une forêt de 500 hectares. Et on a bloqué le projet depuis 2 ans et demi, ça appartenait au département, hein, donc pour les questions de dette et de vendre. Et donc, boucle, ça reste dans le bien. La boucle de Boudry. Voilà. Je suis du Maine-et-Loire. Ben oui, mais on s'est déjà croisés. Oui. Et donc, alors, la question c'est que, c'est vraiment le sujet, là, comment protéger le sol. Parce que on est quand même dans une zone qui est un espace naturel sensible, qui est en SNIEF 1, il y a un périmètre de protection d'un captage d'eau. Les collectivités, on a réussi
à les mobiliser pour qu'elles rachètent une partie de l'hippodrome, une partie de la ferme, etc. Et malgré tout ça, eh ben, l'argent continue de dominer, puisque là on a un entraîneur d'une écurie de Maison Lafitte qui va acheter son dévolu sur toute la zone. Et qui a déjà des projets, voilà, de construire, etc. Donc, normalement, il y a toutes les lois de protection. Donc ma question, c'est que, je veux dire, comment c'est... J'ai l'impression que toutes les lois qui sont en place, finalement, elles peuvent rien contre l'argent, quoi. Alors c'est vrai qu'on s'est rapproché aussi de Terre de Lien par rapport à la ferme. Bon, le même problème par rapport au prix, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de prix, quoi. Le prix, c'est celui qui met plus d'argent qu'il donne. Donc voilà, c'était un petit témoignage comme ça, mais enfin je pense que tout le monde déjà connaît tout ça, mais je voulais vous signaler le problème. Est-ce qu'il y a une réaction de... On essaye, hein, voilà, en tant que mouvement FNE, on est tous les bénévoles, donc voilà, je suis en tant que responsable national, mais on est ancré sur les territoires locaux, je suis vice-présidente de la fédération de FNE en Maine-et-Loire, donc on connaît bien le dossier. Et on essaye de soutenir avec nos moyens bénévoles, et c'est compliqué, hein, parce que s'il n'y avait que ce dossier-là dans un département, ça serait. Le combat pour les sols, il s'illustre de plein de façons. En Maine-et-Loire, on a gagné la fin de l'artificialisation sur une zone industrielle, sur un des plus beaux spots de biodiversité, à côté de Montreuil-Gueulet, près du Poitou, 100 hectares de zones aménagées qui sont gelées. Et c'est vrai qu'en fait, notre expérience, hein, de militants de terrain, c'est qu'il faut un engagement dans la durée très très fort, montrer la détermination, la mobilisation, ce que fait vraiment de façon extraordinaire le collectif de Baudry, hein, avec voilà, un événement, des événements là-dessus, et montrer qu'on ne laissera pas passer. Mais là, on est sur une problématique où on a un conseil départemental qui ne veut pas jouer son rôle de protection des espaces naturels sensibles, clairement. Et donc c'est aussi un rapport de force, savoir, de toute façon, les exemples qu'on a, c'est des rapports de force à engager dans la durée. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas de combat pour la protection des sols. J'en ai quelques-uns dans ma besace derrière moi, qui n'ont pas duré moins de 10 ans. Ici, j'ai 50 ans, mais même, je dirais, sur les... Donc c'est aussi, dans la durée, montrer la persévérance citoyenne. Bon. Voilà, on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Alors moi, je vais compléter ce que vient de dire Florence par un propos donc, d'un vieux monsieur qui nous a quittés il y a quelques années. C'est engagez-vous dans le mouvement associatif. Nous sommes une petite association. Je peux vous dire qu'on est quoi une poignée d'hommes et de femmes à se battre et on n'a pas les compétences juridiques et on est content d'avoir les compétences juridiques de France Nature Environnement pour nous aider. Nous avons donc des décharges de bâtiments de travaux publics, 25 000 mètres cubes. Nous venons de traiter, enfin nous sommes en cours de traiter la radioactivité en presqu'île guérandaise. Nous avons donc le décret de plage. Nous avons donc la loi littorale. Nous avons plein de boulot, hein. Et je pense essentiellement aux jeunes et parmi vous qui sont présents là aujourd'hui, c'est engagez-vous et venez à nos côtés parce que nous, on a des vieux militants et qui ont le mérite d'être toujours à nos côtés, mais à un moment donné, ils ne seront plus là, hein, faut le savoir. Et c'est à vous de prendre le relais. Et l'individualisme commence un petit peu à saturer parce qu'il y a un individualisme peut-être de la consommation, mais il y a aussi l'individualisme au niveau donc, de l'usage du milieu associatif. Bon nombre de personnes font appel à nous quand elles ont un petit problème de parcelle à vendre ou de parcelle, etc. Mais quand il s'agit d'intérêt général, eh ben, il n'y a plus personne. Alors, on lit les articles de presse, bravo, faites du bon boulot, mais l'engagement, on ne voit pas venir. Alors, engagez-vous, comme disait le monsieur. Justement, par hasard, bonjour à tout le monde, moi c'est Elodie. Je ne connaissais pas votre association Terre de Liens, je n'ai pas dû bien chercher. Je voulais savoir, si vous l'avez peut-être déjà dit, mais je ne pouvais pas être là au début, si vous êtes national ou juste... ouais, ok, d'accord. Et pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à la plage, je n'habite pas ici, mais je veux quand même investir parce que si ça commence là, ça va aller partout en France. Donc du coup, est-ce que votre asso fait aussi quelque chose pour... Parce que, du coup, je vais avec vous en fait.
pour, et puis même d'autres gens, parce que c'est un super mauvais exemple si on commence à laisser les concessions après les aéroports des plages, et ça m'emmerde énormément, pas que parce que c'est à côté de chez moi, c'est juste que c'est un mauvais exemple, comme Notre-Dame en fait, ça peut être, essayez, vous verrez, vous pourrez pas. Du coup, vous êtes, vous connaissez une asso peut-être qui est active, ou parce que j'ai pas trouvé en cherchant, j'ai trouvé plutôt des commerçants qui militaient plutôt pour eux, et qui maintenant, je crois, abandonné parce qu'ils ont dû avoir ce qu'ils voulaient. J'ai rien trouvé depuis, et moi je vais faire un petit groupe Facebook, mais voilà, je ne sais pas où chercher. Donc si... Juste une précision par rapport à Terre de Liens avec une association nationale, mais comme vous l'avez dit au début, elle se décline dans 19 associations territoriales, notamment il y a une association Terre de Liens Pays de la Loire. Donc voilà, on pourra vous donner les coordonnées si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a un groupe par département, l'association régionale. Mais elle réunit des adhérents par département, donc elle est 44, 53. Moi, ce que je voulais, à propos de l'engagement, là, je voulais revenir sur l'intervention précédente. C'est vrai, engagez-vous, venez avec nous, on a besoin de ça. Mais je pense que l'engagement, il va aussi sur des choses qui sont, j'allais dire, un peu moins séduisantes. C'est-à-dire que le fait de participer à un certain nombre de commissions, notamment de commissions officielles dans les deux... dans les réunions sur les documents d'urbanisme, dans des réunions départementales et c'est des pénates, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas très sexy, on s'y ennuie parfois beaucoup, mais c'est essentiel qu'il y ait des représentants des associations qui nous représentent dans ces instances-là, d'une part pour savoir ce qui s'y dit, et d'autre part, plus on sera nombreux à y être présents, plus on aura la possibilité d'enfoncer un certain nombre de. Donc cet engagement, il est là aussi, sans forcément adhérer à nos associations, c'est mieux si vous le faites, mais en accompagnement citoyen sur ces commissions, c'est un engagement qui est essentiel aussi. Voilà. Alors pour revenir à ce que tu viens de dire, par rapport, je prends l'exemple du PEAN, on a évoqué tout à l'heure le PEAN, le périmètre donc, de protection, donc zone agricole et puis zone naturelle. Il y a un PEAN qui s'est mis en place en Presqu'île, et puis il y a un comité de pilotage, donc, et nous, on souhaitait faire partie du comité de pilotage exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer, pour être informé et faire une source de proposition. Et puis, on a découvert auprès du conseil départemental qu'il n'y avait aucune association de protection de l'environnement au sein de ce comité de pilotage. On parle quand même d'agriculture et de zones naturelles. Qui est des agriculteurs, ce qui est normal. On souhaitait plus, d'ailleurs, la conf que la FNSE. Bon, on a discuté avec des paludiers, etc. Ils y sont, et tant mieux. Mais aucune association, il a fallu négocier 6 mois pour obtenir. Et finalement, ils n'en voulaient qu'une, alors qu'il y a une trentaine de personnes dans ce PEAN. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus. Là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élus. Un petit peu moins d'agriculteurs, mais alors milieu associatif, protection de l'environnement, il n'y a pas. Et finalement, après 6 mois de négociation, on a réussi à en faire rentrer une. C'est Bretagne Vivante, qui fait du super boulot, et on en est content. Donc maintenant, pour revenir au littoral, je ne sais pas dans quel coin tu veux militer. Bon, bien sûr, si tu peux venir, tu partages nos valeurs, il n'y a pas de souci, bienvenue. Maintenant, si c'est dans une autre zone, France Nature Pays de la Loire peut très bien t'indiquer d'autres associations qui font partie du réseau. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien, bien. Et pour revenir au décret plage... comment c'est nous qui avons secoué le préfet un petit peu à l'époque, parce qu'on a eu une grosse tempête en 2014. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Eh bien, les restaurants, ils ont tous été abîmés par la tempête. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé, les restaurateurs? Eh bien, qu'il y ait une déclaration de catastrophe naturelle. Voilà, je vous remercie. Catastrophe naturelle, donnez-nous des indemnités, parce que vous comprenez qu'on a été victime d'une tempête. Au bord de mer, c'est très étonnant. Et c'est là, nous, on a sonné à la porte du préfet, on dit, mais attendez, monsieur le préfet, si vous autorisez ça, alors qu'ils sont dans une complète illégalité, ces restaurateurs, ils occupent la surface et dans le temps, ils ne respectent pas la loi. Donc vous allez accepter que des indemnités soient versées à des personnes qui occupent illégalement donc une bande. Et bien le préfet, qu'est-ce qu'il a fait? Juste avant de partir, ils sont souvent mutés, les préfets. Ben juste avant de partir, il a signé un texte, application du décrétage, en bête de la volée de Paul Michel. Et bien, on n'a pas été inutile, on en est. Ah, mais quand même. On va prendre une dernière question, donc celui qui lève la main le premier à gagner. Une dernière question, correctement. Et après, on fera une petite conclusion de cette table ronde.
Oui, juste une question. Est-ce que l'aéroport peut mettre en cause le déplacement de l'hôpital de Nantes? Normalement, non. En fait, je ne sais pas si on peut remettre la diapo. Actuellement, en fait, alors donc, en fait, si c'était remis en cause, ça serait lié à la zone de bruit. Alors déjà, il faut savoir que les zones de bruit, donc la zone C s'applique uniquement pour interdire la construction de logements. Donc on peut construire du bureau, on peut construire des zones industrielles, on peut construire des hôpitaux. Mais pas de logement dans la zone C. La zone C, si on... Voilà, c'était cette diapo-là, même la suivante éventuellement, ouais, on voit pas trop le... Ouais, bon, attendez. Il faut que je reprenne le petit laser. En fait, les zones de bruit actuelles. Ces zones de bruit, elles ont été largement dimensionnées par la DGAC en 2002. Parce qu'en fait, à l'époque, elles ont été dimensionnées pour 103 000 mouvements, je crois, de mémoire. Actuellement, on est à 55 000, enfin, des choses comme ça en mouvement. Donc, on a encore un peu de marge pour vraiment atteindre ces zones de bruit. Actuellement, on travaille, donc, on en parlera dans un autre débat, hein, avec la médiation pour justement revoir ces cartes de bruit. Mais a priori, ce que les travaux qu'ont fait le CDPA avec ADEC, c'est de vérifier qu'en fait, ces zones de bruit, normalement, elles risquent de devenir, enfin, c'est pas elles risquent, elles vont devenir plus petites. Elles vont diminuer. Donc, là, en fait, on voit qu'on touche, la zone C, elle touche l'hôpital, donc il est prévu ici, ça touche un tout petit peu l'île de Nantes, mais même pas, en fait. Enfin, vraiment, d'un hectare ou deux, enfin, c'est vraiment tout petit. Ça touche même pas là où il y a l'hôpital. Donc, il y a très très peu de chances que l'hôpital soit touché par ces zones de bruit. Et ce que je disais, c'est que normalement, les zones de bruit réactualisées, comme partout en France, en fait, elles sont réactualisées, les zones de bruit. En fait, on sait que le bruit des avions diminue, et donc les zones de bruit vont diminuer. Françoise Verchère disait que c'est les autoroutes qui la gênaient plus que les avions. Actuellement, dans le nombre de personnes impactées par le bruit dans l'agglomération nantaise, il y a beaucoup plus de... plus le nombre, mais il y a énormément plus de personnes qui sont impactées par le bruit de la rocade, du périphérique nantais que le bruit des avions. Je vais laisser le mot de la clôture de cette table ronde à Michel Libremet, qui est le président de France Nature Environnement, pour prendre du recul sur ce qui a pu être dit en ce début d'après-midi. Oui, bon, tout le monde est très difficile après tout ce qui vient d'être dit. Enfin, moi, en tant que président de France Nature Environnement, reprenant la succession de nombreux autres présidents, au bout de 3-4 ans, on passe le flambeau, n'est-ce pas, cher secrétaire? En fait, ça fait au moins 20 ans, peut-être 30 ans, que FNE souhaite un débat sur les sols. J'étais très content aujourd'hui d'entendre que nous commençons ensemble à prendre en main ce dossier. Il y a des prétextes sur les plages, sur Notre-Dame-des-Landes, mais enfin, ce dossier émerge. Avec des constats multiples, il y a l'urbanisation, il n'y a pas que, il y a le domaine littoral. Parce qu'en fait, vous l'avez tous dit et présenté, les sols, c'est notre vie. S'il y a des gens qui défendent leurs intérêts commerciaux, notre vie, c'est l'intérêt général. Et ce que nous avons vu comme mobilisation citoyenne, qui a été témoignée ici, ça me semble très important, parce que c'est uniquement les associations, malheureusement pour l'instant, qui défendent l'intérêt général. Donc, bienvenue au club. Je peux vous rassurer qu'il y a de quoi s'occuper. Et même si vous n'y connaissez pas grand-chose, même si vous n'allez qu'à une commission du PLU, vous pouvez nous rendre service uniquement en entendant et en nous disant « J'ai entendu ça à la commission PLU, parce que le collègue qui va aller à la commission sur la protection du bruit va pouvoir dire ben, « Le même élu, il n'a pas dit la même chose à une autre commission ». Et là, on commence à travailler en association et nous allons pouvoir préparer des argumentaires. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve, au niveau de France Nature Environnement, ce problème des sols pratiquement sur tous les grands projets inutiles et imposés. Un de nos collègues, qui est justement un invité aujourd'hui de Europa City, présente à peu près les mêmes éléments.
Alors, pourquoi on retrouve très souvent le problème des sols au niveau des grands projets inutiles et imposés? Prenons l'exemple d'Europa City, donc ce fameux méga projet au nord de Paris. On est sur des sols, des territoires à très haute valeur agricole. J'ai suivi aussi dans le temps le dossier du contournement autoroutier de Strasbourg. Que ce soit le contournement autoroutier de Strasbourg ou Europa City, on est encore sur les terres qui ont les plus hautes valeurs ajoutées en Europe. On voudrait bétonner parce qu'il y a un projet économique. D'autres territoires, alors en surface, c'est peut-être pas génial, mais quand on regarde dans l'aube, on veut mettre gentiment quelques fûts de déchets nucléaires qui vont vivre quelques dizaines de milliers d'années. Merci, le cadeau pour les sols, pour les générations futures. Donc on voit vraiment qu'on ne se soucie pas des sols, c'est considéré comme une quantité négligeable. Et puis le sol sur lequel nous sommes aujourd'hui ici, on l'a dit plusieurs fois en termes techniques, c'est une tête de bassin, mais si notre eau est de bonne qualité, c'est parce que ces sols, ces territoires sont protégés. Ça vaut peut-être le coup de ne pas dépenser bêtement de l'argent et économiser ensuite des traitements d'eau, parce qu'on arrive toujours à avoir une eau propre, mais à quel prix? Je vous rappelle que l'eau, c'est pas Veolia qui la paye, hein. C'est nous qui la payons. Hein. Donc il faut toujours faire attention quand on dit on va vous faire une belle usine de traitement des eaux, c'est nous qui la payons. Donc ça coûte moins cher d'avoir le travail de la nature, tous ces vers de terre dont on vous a parlé, ils font tous les jours un travail pour nous. Donc il ne faut pas l'oublier, la qualité des sols. Alors, cette qualité des sols, comme on vous a dit, nous souhaitons qu'il y ait une loi, un dispositif pour le protéger, puisque actuellement, heureusement qu'il y a un travail associatif et militant, nous avons une loi pour protéger tout ce qui est l'eau, nous avons une loi sur la qualité de l'air, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, c'est bien ça, 96, hein. Alors, j'ai pas oublié ma leçon. Mais j'ai une personne qui me surveille, là, hein. On connaît mieux que moi encore sur l'eau. Mais on attendait vraiment qu'il y ait un engagement, et je vous rappelle le plan climat qui a été annoncé par Nicolas Hulot il y a deux jours. Et il y a quelques généralités, mais on a relevé quand même qu'il y a un nouvel axe qui mentionne l'axe 16, pour ceux qui veulent le lire, d'améliorer le captage du carbone. C'est une déclaration, vous allez me dire. Mais c'est la première fois qu'on voit apparaître dans un plan climat, ça arrive quand même, deux mesures qui sont vraiment complémentaires. Une, un plan d'action pour la protection des sols. Je rappelle quand même, hein, en 2005, l'État qui a bloqué, c'est la France. Que la France maintenant dise « Nous voulons mettre en place un plan d'action pour la protection des sols », c'est un premier petit pas. Il ne faut même pas lâcher. Et l'autre élément, dans le même axe, renforcer la séquestration du carbone, évidemment par les sols. Donc, il y a une nouvelle orientation qui est prise par le gouvernement français. Vous connaissez quand même France Nature Environnement et toutes les associations, nous allons rester vigilants, mais à partir du moment où ça a été déclaré, je me permets de rappeler, monsieur le ministre, monsieur le président, vous avez déclaré ça, il vous sera difficile de faire l'inverse. Donc, à nouveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas uniquement les textes, même s'ils sont très bien faits par nos législateurs, c'est la mobilisation citoyenne qui permettra de rappeler à nos élus, vous avez pris un engagement pour le plan climat, c'est un début. Maintenant, nous attendons les preuves. Merci à tous. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci tous les intervenants et les techniques. Et je vous encourage à venir signer la pétition de la CICE, donc la pétition européenne qui demande la protection des sols, sur le stand de France Nature Environnement qui se situe à 100 mètres dans cette direction. Ce sera intéressant d'augmenter le nombre de signatures pour arriver le 12 septembre prochain à dépasser ou au moins atteindre le million de signatures pour que cette pétition européenne puisse aboutir à un texte cadrant la législation européenne sur la protection des sols. Merci à vous. Vous avez été encore une fois présents et formidables. Merci à vous.